Vers le soir, Doudou pensait encore aux paroles du lion aux yeux noirs. Soudain, Ophélie surgit et l'emporta au salon. Comme dans un tourbillon, il fit un vol plané jusqu'en bas de l'escalier. Le vieux lion avait raison. C'était sans doute dommage, mais ses jeux d'enfant n'étaient plus de son âge.